présenter un dispositif d'une formation de 10 heures pour des étudiants en préscolaire et qu'il faut convaincre de faire des préparations pour aller enseigner en stage et dans leur futur métier. Alors, ici, vous avez le plan du cours. Donc, vous remarquerez que je me suis inspirée du plan de Marcel Lebrun. J'ai essayé de faire comme lui. On a, sur les 10 heures, 12 activités qui sont toutes décrites dans un document comme celui-ci. Donc, les étudiants savent à quoi s'attendre à chaque devoir et à chaque activité, chaque cours en présentiel ou à domicile, donc les cours classe inversée, à l'avance dès le premier cours. C'est la première année, ils arrivent à l'école normale, donc ils doivent aussi se familiariser avec toutes les plateformes telles que Office 365, s'y inscrire, adapter ça à leur ordinateur, ça prend déjà tout un temps. Donc ça, c'est la première étape avant de venir au cours. Ils partent en stage et ils ont le premier devoir, c'est remplir un canevas de préparation en observant leur maître de stage en activité. Et donc c'est la première fois de leur vie qu'ils font une prépa d'activité, ils remplissent le canevas, ils reviennent au cours et là, ils se font évaluer par les pairs sur base de la grille d'évaluation que je leur donne, que j'aurais préféré construire avec eux, mais en 10 heures, c'était pas possible. Donc, je leur ai donné ma grille d'évaluation avec des critères très précis et ils ont évalué leurs pairs. Et là, j'ai remarqué beaucoup de réticence de la part des étudiants de voir évaluer les autres alors qu'ils n'avaient pas d'acquis. Pour eux, c'était très compliqué, mais ça a fonctionné par la suite. Ensuite, on passe à l'apprentissage des programmes de compétences. Et là, c'est le modèle du Jigsaw. Les étudiants reçoivent tous une partie du programme, donc des chapitres, par exemple les mathématiques, les compétences transversales qu'ils doivent enseigner aux enfants en maternelle. Et ils doivent le lire, comprendre le fonctionnement et pouvoir s'inspirer du contenu. Par la suite, ils se regroupent en classe par groupe d'experts. Donc tous ceux qui ont lu les mathématiques se regroupent, en parlent et organise une synthèse pour pouvoir ensuite être dispatché chez tout le monde, dans toute la classe, pour former les autres qui n'ont pas lu ces parties-là. Le travail d'évaluation est un travail de groupe où il faut concevoir, bien entendu, une séquence avec un canevas qui sera évalué parmi les activités de la séquence. Qu'il y a un atelier non obligatoire de coaching au groupe si jamais il y a des complications ou encore des questions à la fin du cours. Ma fierté, c'est les 100% de réussite de mes étudiants. Donc chaque année, les étudiants rencontrent des difficultés pour construire des canevas de préparation. C'est vraiment quelque chose qui est complexe. Je viens d'évaluer la dernière étudiante aujourd'hui. Elle a réussi.